faire des petites photos. Alors, là on n'a pas encore changé d'heure. Je vous explique, si je roule de jour, c'est qu'on est jeudi soir. Je me suis débrouillé pour quitter plus tôt. Il est 18h50. Histoire de rouler de jour et de me faire un peu plaisir quand même. Parce que rouler tout le temps de nuit, c'est chiant. Donc ce soir, je me fais le petit kiff du retour. Voilà. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous voyez, c'est pas ma route de d'habitude. Parce que celle que je prends, la route est en travaux. C'est un gros bordel. C'est l'échangeur du Jean Mestras. Donc je préfère faire un petit détour, passer par ici, par Mios. Le souci, c'est que quand je rentre à l'heure normale, si je débauche vers, on va dire 19-20 heures en temps normal, donc il fait nuit. Et ici, c'est rempli de biches et de sangliers, donc je suis super méfiant. C'est pour ça que aujourd'hui, quitter un peu plus tôt et rentrer de jour, ça me fait vachement du bien. Je roule un peu plus serein. Vous savez le pourquoi du comment, les poutons. C'est leur espèce de bande rugueuse, là c'est une vraie daube. Alors c'est pas pour autant que je roule plus vite que d'habitude. Hein. Même si je ne suis pas un adepte des 80, enfin, a priori chez nous on est repassé aux 90, puisque nos élus se sont aperçus que c'était une grosse connerie de mettre à 80. Enfin, ça ne va pas nous changer d'avis non plus. Et c'est vrai qu'avec ces grandes lignes droites qu'on a dans les Landes, notamment pour rentrer chez moi, ah bah là tu pourrais souder à 300 sans problème hein, et baisser la tête dans la bulle et tu irais pas moins vite. Si t'avais pas peur de taper un animal sauvage ou de te prendre un radar à l'arrivée. Mais bon, on va quand même pas essayer de pas finir en prison tout de suite. Messieurs, dames, bonjour. Vous allez bien? Ça y est, la bestiole est arrivée. Donc tu vas me faire un devis donc pour le boîtier éthanol. Ok. Donc le V2, sortir le bidule là. Sortir le bidule, le dinojet. Ouais, voilà. Et puis la passer au banc. Donc on part comment? Sur quel dispositif on va dire? Est-ce qu'on fait un réglage d'abord dans le CU et après on injecte le boîtier éthanol? On gagnera plus de chaud. Par contre, si je règle via le boîtier éthanol, il a ses limites. En fait, c'est moins cher, ouais, mais on a moins de puissance. Parce qu'en fait, le boîtier éthanol, effectivement le V2 là, on peut le régler au banc, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc en fait,
Le top, c'est de faire vraiment un réglage dans l'ECU. Donc, ouais. On fait la map, donc rampe primaire, rampe secondaire, les STP et tout, les volts, descendre des températures de ventilo, chinter tout ce qui est à chinter, donc les ovales, le système PER, enfin, tout ce qu'on peut faire sur le ZDR1400, je vais regarder après là. Et après, on peut justement mettre le body fixed fuel. Auquel cas, on peut mettre le V1. Après, on peut mettre le V2. Hein, parce que le V2, l'avantage, c'est qu'aussi, on peut gérer les paramètres au démarrage. Ouais. Un jour, tu démarres, elle tousse un peu. Il fait froid et tout, merde, mais on peut l'enrichir. Ouais. Le V1 on peut pas. D'accord. Je règle comme ça les problèmes sur le R200 GS. Ouais. Voilà. Voilà. Le top c'est vraiment un réglage dans l'ECU parce que la courbe elle est parfaite. Elle est faite pour le véhicule. C'est vrai que le top c'est d'abord de faire faire les deux en même temps, c'est-à-dire faire et le réglage injection dans l'ECU et ensuite mettre directement l'ICQ. Ouais. Et comme ça, on est bien quoi. Ouais. Là, on a une poteau qui est parfaite. Et si on voit qu'elle a des petits soucis voilà, au démarrage, et ben hop, je peux rentrer dans les fixes fuel et le paramétrer. D'accord. Bon, ça marche. Voilà. Bonne journée. Salut, à bientôt. Bonne journée. Salut. Sont devenus complètement cinglés vers leur zone 30. Hein. T'as une zone 30 qui fait 50 mètres parce que t'as un passage à piéton. Après c'est 50. Genre t'es pas capable de savoir qu'un passage piéton faut ralentir et faut faire gaffe s'il n'y a pas de piquant qui traverse. Hein. Je te rappelle que t'es censé t'arrêter pour laisser passer les piétons. Qu'est-ce que vous cassez les couilles avec vos passages, vos zones 30 pour 50 mètres de long. Putain. En centre-ville, dans une zone piétonnière ou à proximité des écoles, je veux bien, mais là, franchement, avec ça à branler, quoi. Bon, les poteaux, vous allez me dire, pourquoi tu restes derrière les fils de voiture, t'es au feu, tu pourrais passer devant. Bah, c'est pas faux. Mais on est vendredi soir, donc... J'ai débauché en même temps que ma petite chérie. Alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais elle est devant moi avec la titine. Hein, avec la titine du remplacement. Donc je la suis, je veille sur elle. Voilà, voilà, c'est pour ça que me fait bien chier la bite dans les bouchons. Allez, salut les petits poteaux et soyez prudents sur la route.